Yo les gars, c'est une surprise pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, les mecs, il y a un gros cadeau à gagner, c'est un huge, et oui. Et en plus de ça, il y aura deux exclusifs pour ceux qui gagnent pas le huge. Et aujourd'hui les gars, on va faire gagner quel huge? Alors attendez, je regarde, mais je crois que c'est tous mini pims. Ah ouais, il y a Jujutsu Gabi. On va faire gagner celui-là. Hop, regardez. Boum, le petit mecha computer. Alors, où est-ce qu'il est? Oh ouais, mais là, il y a trop... J'en ai trop. Ok, je l'ai trouvé. Ok les gars. Oh wesh, il est trop stylé par contre. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas joué celui-là. Parce que les miens ils sont niveau 1. J'avoue qu'il est très très stylé. Donc ça les gars, ceux qui savent pas, c'est les huge RNG. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo Pets RNG. Du coup regardez-moi ça. Ceux qui n'étaient pas là pour l'event Pets RNG, vous allez pouvoir participer. Et même ceux qui étaient là, c'est pour tout le monde. Pour gagner les gars, c'est très simple. Vous allez devoir écrire le code qui sera écrit de la même façon que l'exemple juste là. Hop, et donc vous marquez le code dans les commentaires. Et puis bonne chance à tous pour gagner ce huge incroyable. Et pour tous ceux qui regardent pas les vidéos parce que c'est des flemmards et qui veulent gagner des petits cadeaux, vous avez deux exclusifs et ça sera les Knife Cat les gars. Donc deux petits Knife Cat à gagner et puis voilà. Bonne chance à tous et puis bonne vidéo, bonne chance pour trouver les codes les gars. Ok les gars, c'est parti pour tirer au sort les trois vainqueurs et c'est parti. Le premier vainqueur ça va être Le Monde. Salut, je suis nouveau. Ah bah attendez, il est nouveau, je vais quand même faire l'effort de lire son pseudo. Le Monde de Raluen, voilà. Je suis nouveau, le code c'est le GOATS, mon pseudo c'est OSRALEO. Et bah gros GG à toi BG, en plus t'es nouveau, il est nouveau et il a directement gagné un huge de fou les gars. C'est quand même de la chance j'ai envie de vous dire. D'ailleurs attendez, on va hop récupérer le petit huge, il est où? Il est là, hop, et donc il a gagné le huge computer. Et il y a aussi les deux petits jesters, mais ça c'est pour le deuxième vainqueur. Du coup c'est parti, on lui envoie le cadeau, le petit huge computer, gros GG à toi. Et cadeau envoyé directement. Cadeau envoyé. Ok, c'est parti les gars pour le deuxième vainqueur et c'est Valentin. Le code c'est GOATS et mon pseudo Adrien. Je veux le huge. Et bah le huge est déjà gagné parce que t'as été sélectionné en deuxième. Mais est-ce que c'est grave? C'est pas très grave. T'as quand même gagné un exclusif. Donc franchement, gros GG à toi. Hop, je te l'envoie directement. Boum boum boum. Cadeau envoyé. Tadam. Magnifique. Et c'est parti pour le troisième et dernier vainqueur parce qu'il n'y a jamais 203 les gars. Et c'est Clément, un Goat NSQ et Axir, je participe. Robin, j'ai gagné un huge sur ton live. Oh la chance. Et bah gros GG à toi Robin, t'as gagné un huge. Et oui les gars, parce que tous les soirs à 20h30 je suis en live sur Twitch. Et des fois on fait gagner plein plein de huge. Donc franchement, venez sur les lives. La preuve, Robin il a gagné un huge. Et maintenant il va gagner un exclusif. Donc bon, il se fait très plaisir Robin. Gros GG à toi en tout cas. Et cadeau en voix. Yeah. Yo les gars, c'est une surprise pour une petite vidéo sur Pet Simulator. Et aujourd'hui les gars, on va faire la partie 2 de Pets RNG. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous laisse aller la voir. Elle sera dans la description, elle sera partout. Elle sera aussi dans le petit i, vous savez, en haut à droite là-bas. Enfin bref, ou sinon sur la chaîne. Et donc les gars, aujourd'hui on va jouer du coup à des Pets RNG. On avait déjà fait ça en live et c'était trop bien. Et du coup bah c'est parti pour tester. Du coup la dernière fois, dans la partie 1, on a testé 3 jeux Pets RNG. Et aujourd'hui les gars, on va tester... 2, non 3 aussi, bah je sais plus. Ouais si je crois on va en tester 3 autres. Alors je les ai notés, vous inquiétez pas. Et on va commencer par celui-là. Donc RNG Animate Company de Simple Games avec 15 000 joueurs. Donc c'est parti, on va tester. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je teste des pets RNG, oula, le son il est super fort. Attendez, je l'enlève juste 2 secondes pour que je vous parle. Du coup ouais, pourquoi je teste des pets RNG? C'est très simple les gars, c'est parce que bah, le nouveau jeu de pets RNG de Big Games, ils vont bientôt sortir. Donc je suis très pressé qu'ils sortent. Et en attendant que le vrai jeu y sorte, et bah on teste les autres. C'est parti. Alors du coup les gars, ce jeu il est très très stylé. J'y avais déjà un petit peu joué. Et en gros vous avez vu, il y a un petit monde très mignon. Franchement il est très stylé. Et en gros la particularité de ce jeu, c'est que quand vous roulez un pet, il y a marqué les raretés en bas avec un œuf assez stylé. Oh mais non, attends, me dites pas que c'est une dinguerie s'il vous plaît. Oh let's go. Avec une petite musique en plus. Donc là vous voyez les gars, on vient d'avoir un animal très très rare. Bah c'est mon plus rare, regardez. Le robot a une chance sur 1300 et mon plus rare c'est 2100. Donc voilà, c'est assez stylé. Et franchement les pets sont assez mignons, regardez, plutôt stylé. Et donc on va essayer d'en roll quelques-uns pour avoir des dingueries ou pas. Oh épique. Ok dommage. Et... Alors, juste enlever la musique parce qu'elle me casse un peu les oreilles. Hop. Et c'est parti. Toum, 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 toum. Oh, oh purée, j'ai failli y croire. Oh non. On était à deux doigts d'avoir Majestic et on a eu Ordinaire. Je suis dégoûté. Oh, rouleau terminé. Nouveau rouleau. Oh, dommage, Majestic. Oh là 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 là. Dommage. On a failli avoir une dinguerie. D'ailleurs, les gars, il y a un abonné qui est dans le classement. Attendez, est-ce qu'on va le trouver? Je vais essayer de le chercher, attendez. Où est-ce qu'il est? Si je le trouve... Oh, il est là. Regardez.
J'ai un abonné, c'est 2QSD. Il est top 20 dans le classement. C'est incroyable, les mecs. On y avait joué en live à ce jeu. D'ailleurs, ceux qui étaient sur le live, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous dites, j'étais là, j'y étais. Et puis voilà, on verra les vrais. En tout cas, incroyable. Donc ce jeu, moi, franchement, les gars, je le kiffe de malade. Vraiment, il est trop trop bien. On va continuer un petit peu jusqu'à avoir une dinguerie. Dommage, secret. Purée. Là, on était vraiment presque. C'est vraiment dommage. Donc là, en fonction de ce que vous avez, par exemple, si vous avez 10 petits chiens, hop, vous les ajoutez, vous craftez. Et là, regardez. Normalement, j'ai débloqué un chapeau. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, parce que c'est la première fois que je fais ça. Hop, chapeau de chien, je l'équipe. Donc, normalement, il s'est mis sur mes animaux et j'ai plus de chance. Enfin, bref. Assez cool. Ça, c'est un truc assez spécial, parce qu'il n'y a pas ça sur tous les jeux. Il y a plein de jeux où il n'y a pas de ça, d'items. Donc là, c'est assez cool. Ok. D'ailleurs, ici, on a la machine arc-en-ciel. Bon, l'arc-en-ciel, on est d'accord, les gars. Ils ont clairement plagié, voilà. Vous savez quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Allez, on continue. Attention, rare, dommage. Du coup les gars, on va aller crescendo dans cette vidéo. On va faire des jeux les plus nuls de Pets RNG jusqu'au meilleur. Du coup c'est parti, on continue. Oh, mon pet il est dans le sol pour l'instant. Ok, ordinaire. Allez allez, dommage. D'ailleurs vous voyez qu'en bas à gauche il me reste 10 secondes de boost les gars. Il faut vraiment que je me dépêche. Allez allez allez. Parce que là en plus j'ai un roll x10. Ah dommage, peu commun. Allez allez allez, dommage dommage. Du coup, il me reste 5 secondes, on se dépêche, c'est parti. Rouleau porte-bonheur, allez, 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 s'il te plaît. J'ai le trèfle, j'ai le rouleau. Allez, dommage, purée. Ah, c'est vraiment nul. Putain, ce jeu, il est tellement bien. Aïe, aïe, aïe. Allez, 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 s'il vous plaît. Non, mais j'ai pas de chance. C'est sérieux. En plus, je fais des rouleaux porte-bonheur et ça marche même pas. Enfin, ça marche, mais je veux dire, j'ai pas de chance, quoi. Allez, allez, allez. Non, rare. Bon, bah, les gars. Franchement, ce jeu, il est incroyable. Vous me direz en commentaire, ouais, je sais pas parler, si vous l'avez bien aimé. Ouais, mon skin, il est tout bleu, trop bizarre. En tout cas, moi, c'est l'un de mes préférés perso des Pets RNG. Et en tout cas, on va continuer directement avec le deuxième. Et pour le deuxième, je l'ai noté juste ici, regardez, c'est celui-là. Le Release Pets RNG de la part de Floshy. Donc c'est parti, on va le tester. D'ailleurs, j'ai mis un petit pouce bleu. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder sur mon profil en marquant Prince End. Et normalement, vous devriez voir les jeux que j'ai likés, les gars. Je suis pas sûr que ça, si ça marche, mais je pense que vous pouvez voir mes jeux. En tout cas, regardez-moi ce jeu, les gars. Oh là 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 là. J'y ai joué aussi un peu en live et j'ai des pets de fou, les gars. Regardez-moi ça. Bon, après, j'ai des abos qui ont des trucs encore mieux, genre divins et tout. Donc, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Et regardez, là, j'ai une télé nulle en plus. C'est un peu dommage. D'ailleurs, comment on fait l'autoroll? Attendez. Autoroll. Go, go. Ça marche pas. Bon, l'autoroll, je pense que c'est payant. Ok, donc, alors, est-ce qu'il y a du son ou pas? Hop, on va mettre un peu de musique. Voilà. On a eu le petit chien, ok, uncommon. J'espère que je vais avoir une dinguerie. Eh, j'arrête pas tant que j'ai pas une dinguerie en vrai. Allez, allez. Ok, nul. On continue. Oh, cristalline, pas mal. Ça c'est une boisson. D'ailleurs, on va renlever la musique, en fait, elle m'a saoulé. Ici, on peut voir les gars qu'il y a... What? Merde, j'ai fait tomber tout le monde. Attends, on peut pousser les gens. Ah ouais, avec mes pets tellement ils sont gros. Oh, regardez, je peux les pousser. Enfin bref, en tout cas ici c'est le classement. Donc voilà les 3 joueurs. Et là on a juste ici le nombre de E qui ont été hatchés je crois. Bon attends, j'ai tellement de pets on peut même pas voir. Mais bon bref, si on aurait pu baisser, on aurait pu, mais là on peut pas. C'est un peu dommage. Oh, épique. C'est mon troisième épique. Trop bien. Et d'ailleurs mon plus rare c'est mythique pour l'instant. Mais j'aimerais bien avoir mieux que ça. Parce que là bon... Oh encore, wesh la chance. J'ai eu 2 épiques d'affilée. Ok, le petit chien un peu nul. Regardez, on peut pousser les gens, c'est incroyable. Tellement mes pets ils sont gros. Ok, ça c'est l'un des rares jeux où il y a activé la collision. Comme il y a activé la collision, bah tu peux pousser tout le monde en fait. Ça c'est rigolo. Bon, ça sert à rien, mais c'est drôle. Ok, on continue. Allez, s'il vous plaît. Si j'ai mieux que Mythique, franchement, c'est cool. Ça serait trop bien. On continue, on continue. Ok, nul, dommage. D'ailleurs, on va essayer de faire à peu près 5 minutes par jeu, les gars. Comme ça. On n'a pas trop de temps parce que c'est vrai que la dernière vidéo elle était assez longue. Même si en fait c'était à cause du premier jeu, mais c'est pas de ma faute. Le premier jeu, les gars, il était tellement bien. J'y ai joué pendant genre combien? Allez, 10 minutes. Alors que du coup, bah, les deux autres jeux de la première partie, bah, j'y ai pas beaucoup joué. Donc c'est pour ça, c'est un peu dommage. Ok, bon, là, pour l'instant, j'ai que de la merde, hein, on va pas se mentir. J'ai beaucoup mieux en live avec le mythique. J'ai eu un abonné, il a eu un truc Guardian. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas montré. C'est un peu, c'est pas secret, mais regardez, c'est juste là. Vous avez un hobby pour avoir des pets équipés.
Hop, donc regardez, on va essayer de rentrer dedans. Ok, c'est bon. Bon, il était un peu buggé. Hop, et donc c'est parti. Je pense que c'est très dur de faire un hobby avec les pets énormes parce que les pets sont très très gros. Tu vois presque rien. Donc il faut vraiment dézoomer au max. Ceux qui sont sur téléphone, purée. Dommage. Toutes les personnes sur téléphone, je vous mets au défi, les gars, d'essayer de faire le hobby sur tel. Franchement, c'est très très compliqué. Mais bon, vous pouvez essayer, hein. On sait jamais. Si quelqu'un réussit, peut-être lui donner un petit cadeau. Pas sûr. D'ailleurs, les gars, est-ce que vous voulez que je crée mon jeu Roblox ou pas? Alors, j'ai plein d'idées de jeux, mais là, principalement, vu que c'est le thème, est-ce que vous voulez un pet RNG? Alors, évidemment, en essayant de pas plagier, parce que bon. Oh, épique! Parce que si je plagie Big Game, ça va pas le faire. Donc, il faut créer un pet RNG avec des pets stylés, des zones stylées, et pas un truc où on copie les gens. Donc, voilà. En tout cas, si jamais on y arrive, ce serait pas mal. Oh, checkpoint, let's go! Par contre, le checkpoint, c'est un M&M's. Comment on monte là-bas? Wow, ça a l'air trop dur à monter. En plus, on voit rien avec les pets tellement ils sont gros. Théma. Après, j'essaye, mais c'est vraiment dur. Oh, si je réussis, ça sera incroyable. Allez, checkpoint. Ok, nice. On va continuer quand même de roll, hein. Ce serait bête. Boom. Boom. Oh, nice, j'ai réussi. Ok, là, on a un checkpoint. Ça se voit que le mec, il aime bien les hobbies. Hop, cristalline. Et là, du coup, si je vais là, normalement... Attends, j'ai gagné 3 pets équipés. Ah non, ils ont menti. Ah si, c'est vrai. Oh, incroyable. Let's go. Wesh, regardez-moi tout ça. Oh, j'ai une team de malades là. Allez les gars, bon, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas un truc de fou. Bon, si on a de la merde, on va arrêter en vrai. Mais si jamais on a un bon truc, on n'arrête pas. D'ailleurs, est-ce que si j'appuie là, je peux sélectionner ça ou pas? Non, même pas. Le tableau, c'est un faux tableau en fait, il marche pas. Ok, on continue. Ça, c'est nul. Allez, je veux au moins un truc. Oh, let's go. Unlucky Divine. Wesh, une chance sur 300. Attends, je vais l'équiper direct. Merde, j'ai appuyé où? Oh, la dinguerie que je viens d'avoir. Attendez, équiper. Attends, je passe à 200 jusqu'à 300. Oh, il est trop trop stylé, regardez. Bah, je crois qu'un abonné l'avait packé celui-là. Et il y en a un autre qui a packé un truc encore plus rare. Dédicace à toi, mon petit Trexis, si tu passes par là. En tout cas, très très stylé, je suis très content. Je viens d'avoir un très bon pet. Du coup, bah les mecs, on va directement changer de jeu et passer au troisième. Le troisième, je l'ai noté, vous inquiétez pas, c'est celui-là. Hop. Alors, c'est la même miniature que la partie 1, les gars. Malheureusement, cette miniature de pet RNG, regardez, vous voyez celle-là, là. Et bah, non, pas ça, pas l'aider. Le pet huge en bleu. Et bah, en gros, les gars, le pet huge en bleu, il y a 3 personnes qui ont fait des jeux pet RNG avec la même miniature, alors que c'est même pas les mêmes jeux. Bon, ils ont dû se plagier entre eux. Je sais qu'il y en a un, c'est Santito. Il y en a un qui s'appelle Pet RNG, le créateur. Et l'autre, c'est Woxy, je sais pas. Non, ça, c'était un autre. Bon, bref. Vous avez compris. En tout cas, les gars, celui-là. Oh, légendaire. Celui-là, on l'a pas fait la dernière fois. Il est plutôt cool. Et surtout, les Titanic dans ce jeu, que vous me croyez ou non, les gars, ils sont masterclass. On va baisser un petit peu le son. Attends, d'ailleurs, je peux baisser la musique ou pas directement? Ça serait plus pratique. Regardez. Si on peut l'enlever. Eh oui, on peut l'enlever. Parfait. Du coup, ouais, regardez les gars. Ah oui, je peux pas vous montrer malheureusement, je pense. Ouais. Je vais pas pouvoir vous montrer, mais les Titanic dans ce jeu, c'est une masterclass. Mais vraiment, premier degré. De toute façon, les mecs qui étaient sur le live, ils pourront vous le dire dans les commentaires. Ils vous diront qu'ils sont incroyables. Mais genre, les Titanic, ils sont... Je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Ils sont plus stylés que ceux de Pet Simulator. Et c'est même pas une blague. Genre vraiment, renseignez-vous les gars, et vous allez voir comment c'est une masterclass. Jamais vu des Titanic aussi stylés. En fait, c'était un dragon électrique jaune et noir. Il était masterclass. J'aimerais bien le paquer, mais je pense pas qu'on va réussir. En tout cas, je vais essayer. L'objectif là, c'est d'avoir mieux que ce que j'ai. Donc, une chance sur 300. Et puis, si on y arrive, ce serait super bien. En même temps, on va faire un peu de hobby. Non, dommage. Pour ceux qui aiment pas trop les hatchs, comme ça, au moins, vous voyez du parcours en même temps. Bon, après, c'est dur de faire deux choses en même temps, mais tant que j'y arrive, c'est tranquille. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand je roll, au bout d'un moment, des fois, vous allez voir un panda. Et bah, le panda, ils l'ont clairement plagié, les gars. Genre, vraiment. Vous allez voir. Si jamais on trouve le panda... Regardez, vous avez vu? Faut être rapide pour regarder, mais si vous avez vu, vous verrez. Ils ont carrément plagié le panda de Pet Sim. Alors que tous les autres pets, ils sont assez stylés, mais... Le panda, frère, il l'a envolé. D'ailleurs, je suis à combien de roll? Je suis à 105, dommage. Ça serait bien que si j'arrive à en faire encore plus. Hop, et d'ailleurs, attends, mais j'ai des potions moi. C'est vrai que j'ai des potions, je les ai même pas mises. Attendez, c'est où? Ah non, là j'ai un cadeau dans quelques secondes. Je peux fabriquer des trucs, j'ai des objets, ok.
Très très bien, très très bien. On continue, on continue. Oh, si j'ai le Titanic, mais comment je crie. Mais bon, ça m'étonnerait. Hop. D'ailleurs, dans la partie 1, les gars, ça reste entre nous, hein, c'est un petit secret. Mais dans la partie 1, il y a l'un des jeux qui a été supprimé complètement de Roblox. C'est-à-dire que Preston, il trouvait que le jeu était tellement bien qu'il a porté plainte, il a enlevé le jeu de Roblox. Donc c'est un peu triste parce qu'il était très bien. Il y a plein d'abonnés qui avaient tryhard dessus et qui avaient adoré le jeu. Donc bon, je suis un peu triste pour vous, les gars. En plus, même un abo, il m'avait donné en live, les gars, plein de huge, mais genre vraiment. Malheureusement, Preston a enlevé le jeu. Donc c'est un peu triste. Et d'ailleurs, un autre truc assez intéressant, c'est que dans la partie 1, il y a l'un des jeux qui est pas supprimé et qui est trop bien. Et genre, j'ai packé un truc de fou furieux, les gars. Genre vraiment, un truc à 1 trilliard. Pas 1 milliard, non, non, non. 1 trilliard. Donc c'est une masterclass. Bon bref, on arrête de parler, on n'est pas là pour parler, on est là pour ouvrir des pets. Et pour l'instant, on a que de la merde, hein. On a eu un seul ange, mais bon. J'aimerais bien avoir mieux qu'un ange, malheureusement. Si on n'a pas de chance, c'est comme ça. En plus, elle est stylée la map en vrai. Mais elle est vraiment grande, hein, par contre. Elle est très 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 grande. Et c'est... Oh, let's go. D'ailleurs, on va récupérer ça. Attends, du coup, c'est mon meilleur, ça. Une chance sur 500. Incroyable. Oh, il est trop stylé. Alors là, ça mérite un pouce bleu, les gars. Tous ceux qui sont restés jusque là, ça mérite un petit pouce bleu. Oh là là, incroyable. Alors là, en plus j'ai même pas payé des Robux et tout. Là, je l'ai gratos. Donc incroyable. Hop. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis ciao ciao. Incroyable. Une chance sur 500. Let's go. W.